Bonjour et bienvenue à notre célébration. Une bienvenue toute spéciale à André que nous allons baptiser et une bienvenue évidemment à ses parents, parrain et marraine. Alors, nous sommes déjà au quatrième dimanche de l'Avent. Nous nous rappelons que dimanche dernier, c'était le dimanche de la joie avec la chandelle rose, alors que maintenant, c'est le dimanche de la foi. Il s'agit bien sûr pour nous de croire aux signes que Dieu nous donne, de croire en Jésus son Fils, signe promis à Israël qui s'est donné pour nous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Jésus qui reviendra un jour dans la gloire, qu'il soit toujours avec vous. Nous sommes en effet les bien-aimés de Dieu. Dieu qui nous appelle à être son peuple saint, en Jésus-Christ. Au moment où l'Esprit nous rassemble, reconnaissons que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs, et confions-nous à la miséricorde du Père. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui ne cesse de nous appeler à la sainteté, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. En ce temps d'espérance, prions le Seigneur de nous tenir en éveil. Ton alliance, Seigneur notre Dieu, prend corps dans la Vierge Marie. En elle, ton esprit réalise la promesse. Donne aujourd'hui à ton Église de dire au milieu des humains le nom de l'enfant qui vient et que tout s'accomplisse pour nous comme tu le veux. Béni sois-tu, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur parla ainsi au roi Achaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu. Au fond de ce jour des morts, ou sur le sommet là-haut. Achaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils.
qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelées. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Frères et sœurs, le personnage central, principal, que Matthieu nous présente dans cet évangile, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Marie, mais bien Joseph, cet homme modeste, comme on dit, discret, effacé, religieux et juste, en qui nous pouvons peut-être nous reconnaître un tant soit peu. Ainsi, Dieu fait appel à lui pour jouer un rôle primordial dans l'incarnation de son Fils. Réfléchissons quelques instants, si vous voulez bien, à cet événement, en pensant bien sûr aux appels que Dieu nous adresse à nous-mêmes tout au long de notre vie. La réalité que Joseph est invité à vivre est tout à fait imprévue. Et, bien sûr, c'est normal, elle le déconcerte. En effet, Marie, son épouse, est enceinte. Il ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Il ne sait pas trop quoi faire avec cette situation.
après avoir évalué les pour et les contre, comme on dit, il décide donc de répudier en secret Marie. De cette façon, son problème va être réglé. Il ne s'imagine pas encore que c'est Dieu qui lui fait signe à travers ce qu'il vit. N'avons-nous pas, nous-mêmes, souvent une réaction semblable à Joseph face à une situation imprévue? Comme, par exemple, quand une offre nous est faite de nous lancer dans une aventure dont on ne connaît pas l'issue, notre première réaction n'est-elle pas également de repousser l'offre ou encore la demande pour nous sortir de l'embarras? Admettons-le franchement, ce n'est pas spontanément que nous vient à l'esprit qu'il puisse s'agir d'un appel particulier de Dieu qui nous est adressé. Dieu se voit donc dans l'obligation d'intervenir auprès de Joseph, et ce, plus clairement, afin qu'il comprenne le signe qu'on lui envoie. Il lui envoie donc un ange qui va l'aider à réaliser ce qui lui arrive. Joseph, qui est un homme religieux, croyant, finira par comprendre, et son attitude sera celle de quelqu'un qui s'en remet entièrement entre les mains de Dieu, donc qu'il fait confiance. Il se rend en effet disponible à ce que Dieu attend de lui, et cela malgré qu'il n'en connaît pas l'issue, qu'il ne voit pas vraiment, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. Mais, comme un enfant fait confiance à ses parents, Joseph fera confiance à Dieu. La façon dont Joseph s'est comporté nous donne à réfléchir. Souvent, en effet, quand Dieu nous appelle à vivre des situations un peu particulières, un peu qui sortent de l'ordinaire, notre réaction, et c'est normal, en est une de recul. Nous n'aimons pas avancer dans le noir sans comprendre ce qui nous arrive. Et nous accordons beaucoup d'importance à notre façon de voir, à notre manière de penser, à notre manière d'agir, alors que Dieu pense différemment de nous. C'est inscrit dans le livre du prophète Isaïe, les paroles suivantes: « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » On sait maintenant ce qui arriva une fois qu'il ait accepté le projet de Dieu sur lui. Il fut reconnu, évidemment, comme père putatif de Jésus, c'est-à-dire celui qui a dû veiller, évidemment, à sa croissance, à son éducation. Grâce à lui, à Joseph, lui qui était de la lignée de David, il a eu un rôle important dans l'éducation du fils de David. Pour donner au monde son fils, Dieu a voulu compter sur plusieurs collaborateurs pour que son plan divin puisse se réaliser. Ainsi, il a compté sur Marie, sur le oui de Marie, et il a compté également sur le fait que Joseph ait accepté de devenir en quelque sorte le père de Jésus. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes sont invités à prendre part, à participer à l'annonce de la présence du Fils de Dieu dans le monde. Nous sommes de ceux-là, frères et sœurs. Et chacun et chacune d'entre nous a une mission particulière à accomplir. À quelques jours de Noël, et comme Joseph,
Puissions-nous accueillir ce Dieu qui vient vers nous en nous rendant disponibles pour accomplir tout ce qu'il attend de nous. Amen. Et maintenant, comme nous le faisons chaque fois que nous baptisons un enfant, nous allons professer notre foi avec la formule que nous utilisons à l'occasion des baptêmes. Et nous comptons sur vous pour répondre, si tel est le cas, après chacune des questions, oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Croyez-vous que Dieu a donné son Fils, né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Croyez-vous que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de la Nouvelle Alliance? Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, comme je le disais à quelques jours de Noël, portons dans notre prière les besoins de nos frères et sœurs, tant les chrétiens que ceux et celles qui ne connaissent pas le Christ. Je vais commencer la première. Pour les personnes qui n'ont pas hâte à Noël, qui ont peur d'être seules ou déçues. Pour les commerçants et leurs employés qui sont noyés dans le bruit des centres d'achat. Sera baptisé ce dimanche et fera ainsi partie de la grande famille des enfants de Dieu. Pour les familles qui n'ont pas la chance d'être réunies à Noël. Pour ceux et celles qui ne savent même pas que l'Emmanuel est venu parmi nous. Pour les personnes âgées ou malades qui s'apprêtent à vivre leur dernier Noël. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les habitants de Bethléem, juifs, chrétiens ou musulmans, qui voudrait vivre un Noël de paix. Pour nous tous, qui, comme Joseph, voulons nous ouvrir au mystère de l'Emmanuel. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Dieu notre Père, accueille la prière de tes enfants. Accorde-leur la grâce de devenir eux-mêmes une réponse aux demandes qu'ils te font. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons maintenant procéder à la cueillette de vos offrandes.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous promets, Dieu fidèle, de transformer ce monde en un ciel nouveau et une terre nouvelle. Nous apportons ce pain et ce vin, qu'ils deviennent les signes avant-coureurs de cette nouveauté et qu'ainsi prenne corps ta promesse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, en qui tu es glorifié pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des humains. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilant et vigilante dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Glorifions, Père très saint, tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père tout-puissant, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude,
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils, afin qu'en notre pays, l'Église trouve un élan nouveau pour sa vie. Renforce les liens d'unité entre les laïcs et les prêtres, entre les prêtres et notre évêque Christian, entre tous les évêques et notre pape François. Donne à ton Église de devenir au milieu d'un monde divisé un instrument au service de l'unité. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous prions spécialement ce matin pour M. Carlos Alberto Cordeiro, sans oublier, bien évidemment, tous nos parents et amis défunts. Conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes. Nous te prions et nous te glorifions. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, en lui, ô Père, en l'Esprit Saint, honneur et gloire aujourd'hui et toujours. Amen, amen. Et maintenant, puisque nous sommes tous et toutes enfants d'un même Père, voilà pourquoi nous nous adressons à Dieu avec les paroles mêmes que le Seigneur nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés,
mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis ces mêmes paroles et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, l'humilité de ce pain et de ce vin nous surprend, comme la venue du Sauveur étonnait Joseph par sa pauvreté. Dans la discrétion de ces signes, fais-nous discerner ta tendresse et que notre vie fraternelle soit transparente à ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, j'inviterai les parents, marraines et parrains d'André à venir ici. J'ai quelques questions à vous poser. Faites attention à mon temps, cependant. Alors, je m'adresse aux parents. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? André. André? Que demandez-vous pour André? Le baptême. Le baptême, parfait. Vous demandez le baptême pour André, vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements, n'est-ce pas? Pour qu'il aime Dieu et son prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Et vous, qui avez accepté d'être parrain et marraine de cet enfant, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Oui. Oui. Très bien. Alors, André, la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception t'accueille avec joie. Et pour marquer cet événement, je vais tracer sur toi, André, le signe de la croix. Et j'ai invité les parents, parrain et marraine, à refaire ce même geste après moi. Alors, je vous rappelle que les célébrations pour Noël et le jour de l'an seront un peu les mêmes. Alors donc, le samedi prochain, le 24, ce sera la messe de Noël en soirée à 20h. Et il y aura la messe du jour de Noël à 10h. Ce sera la même chose pour le jour de l'an, la veille, le 31, la messe à 20h. Et le 1er janvier, la messe à 10h. Vous êtes tous et toutes les bienvenus à ces diverses célébrations. Et maintenant, je vais vous donner la bénédiction solennelle du jour de l'Avent, le dernier dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches, et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.